Partout dans le monde, les crises humanitaires ont mis le système humanitaire au défi de répondre aux risques de protection extraordinaires et aux besoins des enfants avec des ressources limitées. Les communautés, les organisations de la société civile et les gouvernements locaux sont à l'avant-garde des interventions humanitaires. En tant qu'acteurs de la protection de l'enfance, comment pouvons-nous mieux collaborer avec les communautés? Nous devrions réfléchir à la façon dont nous pouvons appuyer le travail dirigé par la communauté pour atteindre des objectifs communs. Imaginons que vous travaillez comme acteur de protection de l'enfance dans la communauté de Nina. Vous savez que pour que les approches au niveau communautaire soient efficaces, vous devez d'abord comprendre les structures, les croyances, les systèmes et les comportements existants qui favorisent ou entravent le bien-être des enfants. Vous commencez par parler à divers membres de la communauté. Grâce à ces conversations, vous apprenez à connaître Nina et son équipe de football. Comment ils fonctionnent, à quelle fréquence, les activités qu'ils font. Vous trouvez Nina et ses amis. En utilisant vos compétences en communication adaptées aux enfants, vous les écoutez parler de leur club de football, des succès et des défis qu'ils ont connus. Vous les félicitez pour leur remarquable travail et vous leur demandez si vous pouvez les rencontrer encore dans un bref délai pour apprendre davantage et explorer les façons de soutenir leur activité. Nina est très heureuse et dit qu'elle a beaucoup de bonnes idées. Elle vous invite à revenir n'importe quand. Au moment où vous êtes en train de quitter, le propriétaire du terrain vous approche. Il vous dit qu'il était directeur de l'école de la communauté avant qu'elle ne soit utilisée comme refuge et qu'il a beaucoup d'idées pour recommencer l'école. Il vous dit aussi qu'à l'intérieur du lieu de culte communautaire, il y a des enfants qui restent seuls. Un groupe d'hommes et de femmes qui se disent « amis des enfants » s'occupent d'eux. En écoutant la communauté, vous avez maintenant identifié Nina, l'ancien directeur et les autres membres de la communauté qui contribuent déjà à la sécurité des enfants. Vous êtes heureux de continuer à travailler avec eux pour appuyer le travail qu'ils ont commencé. Pour collaborer efficacement avec les communautés, il faut bien plus que notre expertise technique en matière de protection de l'enfance. Il nous faut des attitudes et des comportements qui renforcent la confiance et les relations de collaboration. Cela comprend le respect, l'humilité, la patience et la capacité d'écouter et d'apprendre. En apprenant d'abord à connaître la communauté, les acteurs de la protection de l'enfance peuvent découvrir la façon dont les communautés protègent les enfants et des mesures éventuelles qui pourraient être prises ensemble. Cela met l'accent sur l'appui du travail existant des membres de la communauté plutôt que sur la création de nouveaux groupes ou de nouvelles structures. Peu importe si votre réponse actuelle est plus dirigée par les organismes ou plus dirigée par la communauté, il est important de réfléchir à votre approche, de laisser tomber les priorités prédéterminées et d'envisager de nouvelles possibilités. Bien que le fait de changer les façons dont nous travaillons aux côtés des communautés peut nous faire sortir de notre zone de confort, cela peut mener à des systèmes plus solides de protection de l'enfance, ce qui fera une différence dans la vie des enfants partout.